Regarde sa belette. C'est ce qu'on appelle un téton doré. Ah ouais, Nti, t'as trop raison, c'est trop bien. En plus, il y en a deux. Ouais, c'est énorme. Yo tout le monde, c'est NutiTeuf. On se retrouve pour ce 19e épisode de Pokémon Argent Soul Silver en full random. J'espère que vous allez tous bien. Et tout d'abord, il fallait que je vous montre quelque chose, tout simplement. Mais avant ça, je cherche un accessoire qui va probablement m'être utile dans ce... Enfin, cette fois-ci. Alors... On est donc au Poké Athlon et regardez, en fait, il est magnifique en 3D. Regardez à quel point il est magnifique. Voilà, c'est tout. Waouh, super, on est des points blancs. Donc nous sommes mercredi, enfin du moins dans le jeu. Enfin, j'ai modifié le jeu parce qu'actuellement on est samedi et vous pouvez pas savoir quel bien ça fait et comment je trouve ça cool de pouvoir tourner au jour le jour ou plutôt à la veille le jour. Le problème, c'est que c'est quelque chose que même si j'adore le faire, je pourrais pas forcément vous le faire tout le temps, même... Je pourrais pas vous le faire et c'est un doux rêve que je ne pourrais pas faire avant plusieurs mois. Mais bon, d'ici plusieurs mois, peut-être. Nous verrons. Donc regardez, on est mercredi et le mercredi, on a une pierre eau. Alors, pierre eau, on a dit qu'il nous fallait, alors qu'on regarde, il nous faut 2500 P. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va participer à un combat. Donc, à un combat. Surtout à un... comment ça s'appelle ? À un concours. Donc, on va partir sur... on va déjà regarder les Pokémon qu'on a. On a Feuillage, Solitar, Coquinul, Flamouillette et Popogirl. Pourquoi j'utilise ça? Parce que j'ai le stylet de ma tablette tactile et les jeux, en fait, sont plus à l'écran tactile. Et je me suis dit que c'était mieux d'utiliser une tablette tactile, du moins tant que faire se peut. Je pense qu'on va mettre... On va tenter justement avec Solitar, qui lui, actuellement, doit... Enfin, c'est lui. Pour moi, il doit batailler pour sa pierre haut. Donc du coup, on va faire ça et puis on va s'inscrire directement. Bienvenue au Pokélathlon. Voulez-vous inscrire vos Pokémon? Oui. À quel parcours voulez-vous faire? Alors, parcours... ah merde, du coup, je sais pas comment on fait pour savoir s'ils sont plus habileté, chance... Truc dans le genre. Il n'y a pas un... Attends. Je vais regarder. Bienvenue ici, nous vendons des cartes mémo qui sont stockées les... non. Y'a pas quelqu'un qui me dit pour mes Pokémon. Bienvenue au Pokéathlon. Oh bah non. Pokéathlon Link là. Va-t'en Link, hein. Déjà assez joué à Zelda. Non, c'est pas vrai, en plus je joue même pas à Zelda. Bon bah, on va... Merde, j'ai mis vitesse. C'est un Pokémon de type sol qui est mieux en force, on est d'accord? On va dire que ça, il est bon en force. Ou en saut. Ah non, les parcours saut, c'est sympa. On va faire du saut. Allez. Par ici, s'il vous plaît. J'espère que ça va être faisable à la tablette tactile. On va voir. Wouah, je suis en jogging. J'aurais dû m'habiller en jogging. J'aurais tellement dû me mettre en jogging et tout. Dommage. Ah, en fait, il est très fort en habileté, lui. Et j'ai dit une épreuve de saut. Alors que, par exemple, lui, il est plutôt plutôt bon en saut. Donc, on va plutôt prendre Masco. Ensuite, on va prendre lui. Et est-ce que Ratatouille, par exemple, il était pas bon en saut? Non, il est pas bon du tout en saut. Est-ce qu'on en a... Est-ce que Dialga, il est bon en saut? Dialga, il est super bon en saut. Et ben, on va prendre Dialga aussi. Allez. Bienvenue au Pokéathlon, quel sera notre éblouissant vainqueur? Bon bref, en gros voilà, il va falloir qu'on fasse des épreuves de saut. Donc cet épisode va être dédié à ça, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse faire évoluer notre tétarte. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de partir comme ça. On a quand même un Dialga qui participe, hein, autant vous le dire. Épreuve numéro 1. Saute lumière. Visez les boules lumineuses, faites rebondir vos 3 Pokémon avec précision. Ok. C'est parti. Ah ok, d'accord, c'est ça, c'est un genre de Peggle. Alors là c'est très très dur parce que... Ah merde, ils sont pris entre eux. Je vais peut-être le faire à la souris finalement. Ouais, c'est peut-être pas mal à la souris là, celui-là. Ok, celui-là en tout cas va plutôt pas mal à la souris. Ah, ils se sont fait mal, c'est pas grave, on part sur autre chose. On fait ça également, on le fait ici, on le fait ici, on le fait là, on le fait là,
On le fait là. C'est bien. Ok. Ok. Alors il faut savoir que les deux écrans théoriquement sont l'un en dessous de l'autre, hein, donc du coup c'est censé aider. Dialga, allez, t'es bon en saut. Allez, fais-nous tout en haut, hein, Dialga. Dialga, allez. Allez, Dialga. Merde, 3 points. Bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. 347, nouveau record. Est-ce qu'on va être meilleur que les autres? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le voit pour le moment? Quels sont les résultats de la première épreuve? Ah, merde. Ah, je suis à quelques points du précédent. Ah, c'est dommage. Ok. Du coup, ça nous donne... ça me donne 99 points et l'autre, il en a 101. Ok, très bien. Épreuve numéro 2. Attrape disque. Ah oui, ça je le connais. Bon, écoutez, on va pas le faire à la tablette tactile, on va le faire avec ça, ce sera très bien. Alors là, c'est très dur parce que... Merde. Ok. Ils sont nuls. Mais, oh! Ok, 3 points. 5 points. Merde, il est tombé ce con. Mais pourquoi tu tombes? Arrête de tomber. Il y en a un qui arrive par là. On le chope. Ok, c'est bon. Un autre qui arrive là, on le chope. Là, celui-là, on le chopera pas. On va choper celui-là. Enfin, ces deux-là. Ouais, ça c'est bon. Il y en a un qui est là. On l'a pas chopé. On les a pas chopés. Mais il y en a un qui arrive vite, on l'a pas chopé. Celui-là on l'a chopé, oui, allez c'est bon. Ok, je sais pas si on a vraiment beaucoup de points. J'en ai chopé pas mal, mais j'ai, enfin, je pouvais faire qu'un seul Pokémon à la fois. Ce qui était globalement... En fait j'aurais peut-être dû peut-être pas m'organiser. Ah si, carrément. On est tranquillement premier, hein. Tranquillement. Ah oui. Ok, donc là on a... J'ai pas mal gagné, j'ai pas mal gagné, c'est plutôt cool. Course d'obstacles. Alors là... Là, c'est très dur, alors... Alors, du coup... On va faire attention. What? Attends, c'est chiant, ça. Allez Dialga, tu peux le faire. Allez Dialga, faut que tu rattrapes. Tu peux le faire. C'est bien, 7ème. 7ème, c'est pas mal. Ouais, par contre, enfin, c'est galère parce que moi, si vous voulez, les écrans sont pas les uns en dessous des autres. Parce que je les mets sur le côté vu que je vous fais de la HD. Et donc, du coup, c'est galère. Enfin, bref, je me comprends. Et c'est pas grave, je suis quand même premier avec une moyenne bien plus basse que les autres parce que je suis quelqu'un de très fort. Ok, donc 102. Bravo à tous nos Pokéathlètes. Alors vas-y, tout d'abord, au nom de l'esprit du sport, les bonus distribués. Équipe de NT 24, au genre. Ok, ensuite les prix individuels. Personne, soit passons. Prix du roi du point, Nosferatu. Wow, 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 wow. Maintenant les prix des performances... Wow. Wow! Et moi, genre, on me donne rien. Parce que je vais peut-être perdre à cause de ça. Hein. Regardez. Ça va jouer de pas beaucoup, hein. Oh! Ça se joue à un point. Ça se joue à un point, les gens. Ouais, j'ai battu mon record au parcours du saut, c'est super. Super. Ok, très bien. Ouais, bah moi j'ai pas trouvé ça très cool. Hein. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Merci d'avoir participé, je convertis votre score en points athlètes. 335 points athlètes. Bon, le problème c'est qu'il nous en faut 3500. Donc soit on fait 10 épreuves comme ça, soit on est très bon. Bon, peut-être que je vous en ferai que quelques-unes, puis je ferai une ellipse, et puis voilà. Je vais regarder, là on est à 9 minutes de vidéo, je pense qu'il y aura éventuellement une ellipse. Par contre, on a vu qu'il fallait que je fasse par exemple de l'habileté. Alors, participer.
sur un concours d'habileté. Oui. Par ici, s'il vous plaît. Alors, on va voir quel Pokémon on va inscrire. Sur ce truc d'habileté, on enfile le jogging. Compétition va commencer. Allez. Au niveau de l'habileté, donc on a dit qu'on pouvait prendre notre ami machin. Lui, il est très vitesse. Lui, il est pas mal en habileté aussi. Hein. Et ensuite, on a lui qui est pas mal en habileté. Oh! Bah, Ectoplasma, il est. Alakazam, il est pas mal en habileté, par exemple. Donc, on va prendre Alakazam. Allez, c'est parti. Trois Pokémon plutôt habiles dans l'idée. Qui sera notre vainqueur éblouissant? On se demande. Allez. Très bien. Oui, bah, pas besoin de présenter toutes les équipes, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Allez, commence! Habileté, alors je sais plus trop ce qu'il y a d'autre comme truc, parce que le saut, moi c'était clairement ce que je préférais. Bataille de neige, oh ça c'est chiant. En fait, si vous voulez, on doit glisser pour envoyer des boules de neige aux gens qu'on veut. Mais j'ai l'impression que ça marche pas toujours. Hey, j'aimerais bien que tu les envoies tout à droite là. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas. Je peux pas toucher ceux de. C'est très bizarre ça. Je peux toucher que ceux d'en face. Le style, il est où? Parce que là, ça va plus. Merde, j'ai déplacé l'écran, vous le voyez pas, c'est pas grave. C'est nul. Je suis sûr qu'il y en a qui en ont mis 15 ou un truc dans le genre. Oh là 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 là. Et je comprends pas, j'ai pas compris là, là j'ai pas été bon. Pourtant ils sont habiles hein, mes Pokémon. C'est pas du tout mon épreuve hein, ça. Ce n'est pas mon épreuve. Balle au but. Oh non, pas ça. C'est vraiment des épreuves qu'il faut faire au stylet, c'est fou. Ah, ah. Oh, arrêtez de me faire chier, hein, d'accord? Non! Pas dans ton but, pas dans ton but! Sauve ton but! Sauve ton but! Tétarte, sauve ton but. Tétarte, sauve ton but. Sauve ton but. Vas-y. Vas-y, Tétarte, bien. Allez, super. Allez, Tétarte, vas-y, 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 super. C'est bon? Oui, but pour Tétarte, superbe. Allez, encore un but, c'est pas pour nous, mais c'est pas grave. Oh, yeah, ils ont géré, là. Non, 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 pas chez nous, pas chez nous, oui. Non, pas chez nous. Non, pas chez nous, pas chez nous, pas chez nous. Pas chez nous, pas chez moi. Ok, non, toi reste en défenseur, voilà, super, non, non, voilà, super. Allez, allez, non, 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 putain, j'ai mis ma balle contre mon camp, oui, c'est bon, ça va. C'est nul, c'est tel, non, espèce de... Fini. Oh, j'ai l'impression qu'on a fait du caca. On a un point, on va voir les autres. Ils sont à combien? Ils sont à plus combien? Oh, ça sent le caca. Qui a gagné la deuxième épreuve? Non, et voilà. Non, mais le mec, il a 3 points. Non, mais ce truc de... En plus, vous, tout se passe sur l'écran du bas, donc ça doit pas être très, très sympa pour vous à être filmé. Je m'en excuse d'avance. Alors là, on est sur la plage et on doit faire de la capture du drapeau, il me semble. Allez,
En gros, c'est un relais. Hein. Allez. Allez. Putain, il est pas rapide du tout, c'est fou. Allez! Précision de merde, là. Allez à la Kazam. Allez à la Kazam. Putain, mais... Le mec qui me bloque, là, c'est pas possible. Allez à la Kazam. Allez à la Kazam. Allez, vas-y. Va... Tu peux le faire. Tu... 3, 2... Merde, j'ai pas pu les ramener. J'ai pas pu les ramener, je suis con. Drapeau obtenu. Ouais, super, nouveau record, mais c'est pas cool. Je veux pas finir premier avec ça. Putain, ils ont 20... Eh, vraiment, là, c'est le score de la nullité. Hein. Heureusement que ça rapporte quand même des points, tout ça. Ouais, maintenant, ils vont faire les résultats. Super. La nullité. La nullité. Ah, moi qui... Attends, peut-être qu'ils vont me donner des super points et tout. Prix du sans faute, Popo Girl, merci à toi. Ok, ensuite un autre prix pour moi. Non. C'est tout, prix du roi des points. Ah non, c'est pas moi. Maintenant le prix des performances individuelles. Non, le mien. À moi, à moi. À moi. Ah bah non. Pas à moi. Waouh. Là je sens que si on est dernier, c'est tout à fait normal. Waouh. Waouh, qu'on est nul. L'équipe Daria. Super. J'espère qu'on gagne quand même des points. Hein. J'espère qu'on gagne quand même des points. Merci d'avoir participé. Je vais tirer mon score en points athlètes. Merci. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une ellipse, que je fasse des petits trucs. En plus, je vais flipper les écrans, comme ça, moi, je vais pouvoir voir bien. Et on se retrouve donc juste après l'ellipse pour l'achat de cette pierre haut, ou au moins la fin du Pokéathlon. Allez, à tout de suite. Voilà, tout le monde. Alors, donc, théoriquement, là, j'ai bien plus de ce qu'il faut, voilà, j'ai 3869. Pourquoi pierre foudre? Ah, parce qu'on a changé de jour. Oh là là, il est minuit 2. Il est minuit 2 à mon horloge. Oh là 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 là. Décidément. Et là, je m'en fiche. Voilà, on est mercredi. Oh là là, regardez. Eh, mais on est mercredi. C'est l'heure de... Ah merde, c'était 2500. Je me suis fait chier à avoir 3500 alors que c'était 2500. Je m'en fous, moi, je prends... Bah non, je verrai plus tard, mais... Oh non. C'est-à-dire que là, les deux de la fin, j'aurais pu ne pas les... Même les trois, quasiment. Quasiment trois que j'aurais pu ne pas faire. Ok. Je me suis globalement fait avoir. Bon, écoutez, moi, j'ai envie de faire évoluer notre tétarte dans ce cadre magnifique qu'est le cadre. Alors, sac. Pierre O, utilisé sur Solitaire. Allez, c'est parti. Solitaire évolue en tartare. Pop, pop, pop. Alors quel va être son double type? Parce qu'il est censé être combat, donc il va être sol. 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 Faites attention, hein, là c'est le suspense. Sol. Sol. Il est juste sol. Il est pas combat théoriquement. Donc il doit être sol, sol. Ah, c'est dommage ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a? Il a un joli sourire. Séduit parfois l'ennemi au contact. Ah, ça peut être intéressant. Et du coup, il a une bonne attaque, ouais, son attaque est plutôt pas mal, il a une bonne... En fait, il est assez équilibré. Il a une bonne attaque, une bonne défense, une bonne attaque spéciale, une bonne défense spéciale. Mais quand même une très bonne attaque, hein. Donc il est mieux au niveau de l'attaque, ce qui m'enchante plutôt. Et puis il a une hausse de défense spéciale, une baisse d'attaque spéciale. Ok. Eh ben, on est pas mal au niveau de ce Pokémon. Eh ben écoutez, il est maintenant temps, je pense... c'est énorme, regardez comme il nous suit derrière nous. Il est temps, je pense, d'aller au truc qui est là-bas. Donc, pour aller au truc qui est là-bas,
Eh bien, ce sera par là-bas. Vous savez très bien, on va aller au phare d'Holyville. Donc, on va aller à Holyville. Comme à mon habitude, j'accélère. Vous le savez parce que j'ai pas envie de vous prendre. Ah bah merde. De vous prendre trop de temps sur votre épisode, bah là du coup, ouais, c'est quelque chose d'inattendu. Mais bon, Sabelette va faire la fête, elle va faire la fête. Oui, ça rime aussi. Warticoda ! Oh, je suis en train de réaliser quelque chose. Ce dresseur-là, on l'a volontairement évité pour le truc du simularbre. L'épisode du simularbre, c'est celui où on a rencontré 3 légendaires à la suite. On aurait pu rencontrer un 4e légendaire ensuite. Chaud. Ombre portée. Ça n'affecte pas Articodin. Ok, d'accord, très bien. Ça l'affecte pas. Bah, et si on fonde de choc? Ça lui fait très peu mal. Ok, on va changer de Pokémon. Du coup, ça voudrait dire qu'il est quoi, de type normal? Bon, bref. Dans tous les cas, on va envoyer Solitar. Mégacorn le mec. Ok, bonjour, j'ai Mégacorn. Tout est normal. Il est frappé par la tempête sable. Ok, très bien. On va lui faire Telluriforce. Ah, il est plus rapide. Il doit avoir une rapidité de malade. Enfin, une vitesse énorme. On va voir combien ça lui enlève. Ah ouais, ça lui enlève... Enfin, c'est un coup critique, mais ça lui enlève très peu. Il doit avoir un double type de malade. Attendez. Je réfléchis. Si Spectre ça l'a pas touché, c'est qu'il est normal. Ou... J'ai un doute. Ténèbres, c'est pas immunisé contre Spectre. Non, c'est peu efficace. Me semble. Je ne sais plus exactement, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Bon bref, en tout cas mes doutes vont vite se dissiper. Oui, ah bah il veut dire... Ah bah bien sûr que moi je vais ajouter un dresseur d'Articodin. Merde, je l'ai mis non. Attends, je veux bien. Prochaine trouvaille est pour toi, oui. Il a dit ma prochaine trouvaille est pour toi. Ce qui veut dire que quand il va trouver un autre oiseau légendaire, bah il va me le donner. C'est plutôt cool. Moi je trouve ça plutôt cool, globalement. Bon bah voilà, c'était inattendu qu'on trouve un légendaire au Pokéathlon. Enfin, dans l'épisode Pokéathlon. C'est ça que je veux dire. Mais bon, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Du coup, il faut qu'on se rende vers Holyville. Holyville qui est la ville de gauche. Je ne parle pas, bien sûr, d'orientation politique ou que sais-je. Mais voilà. Lui, je l'ai pas fait, hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Eh bah écoutez, c'est l'occasion. Prenez votre envol. Take your fly. En anglais, bien sûr. Ectoplasma. Très bien. Et ben moi, j'ai envie de tenter quand même le revenant sur lui. Moi, je suis un mec comme ça. Revenant qui lui a pas fait super mal. Babil. Qu'est-ce que ça fait, Babil? C'est pas très efficace. Ça lui a fait plutôt mal, quand même. Eh bien, on va envoyer Feuillage. Feuillage qui n'est que niveau 24. Et je vous rappelle qu'il faut qu'il évolue en Junko pour qu'on sache s'il est potable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Tétart, je pense qu'on peut se permettre de le garder. Donc là, c'est la paralysie du Feuillage. C'est marrant de dire ça. Alors, Éruption, il faut l'utiliser quand il y a beaucoup de PV. Et Contre, il faut l'utiliser quand il y a peu de PV. Donc là, il y a beaucoup de PV, donc je pars sur une Éruption. Bon, enfin, j'essaye. Donc là, du coup, il va mourir. Donc du coup, je pars sur un autre Pokémon. Hey, Flamouillette, vas-y. Bah, tente-nous un Rafale-feu, allez. Oh, putain. Non, mais... C'est cheaté, là. Je suis désolé, c'est cheaté, monsieur l'Ectoplasma, là. Monsieur l'Ectoplasma. Mister Ectoplasma. Mister Gengar. Ok, putain. Et à chaque fois, ils sont paralysés, mes Pokémon. Mais c'est pas possible. Voilà, merci. Il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps.
Electek va être envoyé changer de Pokémon. Est-ce que j'ai quelque chose pour le soigner? Est-ce que j'ai racheté des hyper potions ou pas? J'ai pas racheté d'hyper potions, donc du coup je vais rechanger de Pokémon. Étant donné que j'ai envie qu'il gagne de l'XP, quoi. Oh, quoique. Attendez, j'ai envie de le tenter. Ok. Merde. C'est con parce que j'aurais presque pu tenir sa darnue. Hein. Bref, Osef. Allez, Popo Girl, vas-y, c'est à toi. Par contre, là, il m'a mis vraiment à mal mon équipe. Hein. C'est hallucinant. Vitesse extrême. Ouais, ok. Voilà, merci. Moi, ils me font peur, hein, les gens, comme ça. Ah, bah, le niveau 27 pour Popo Girl, c'était plutôt inattendu. Je pensais pas qu'il montrait le niveau dans cet épisode. Hypnomade. Ah oui, c'est très les Pokémon Spectre, Psy. Ouais, c'est très ça, hein, toi. Bah bon, Burk, hein, on continue. Hein. Ça affecte pas Hypnomade, qui est donc un Pokémon de type acier. Bah allez, Flamouillette, c'est à toi. Vas-y, Flamouillette, essaie de nous faire un Crofeu qui serait plutôt pas mal. Ce serait cool. Je sais pas si on va y arriver. Bon, ça, on s'en fout. Allez. Allez, fais-nous un joli Crofeu. Luminocanon. Ça devrait pas me faire trop de mal, puisqu'il est au feu, donc il devra résister. Crofeu. Ah voilà, là je préfère. Je préfère quand on a un truc comme ça, voilà. Là, la victoire, je préfère. Popo Girl, oui. Champion Toby. Ok. Oh, si j'ai un métamorphe, je sais comment je l'appelle. Mais bon, j'aurai pas de métamorphe, mais le jour où j'ai un métamorphe. Ouais, j'aurai jamais de métamorphe en fait. Donc c'est con ce que je dis. Mais voilà. Je sais comment je l'appellerai. Si, dans l'hypothèse. Un jour, peut-être, je pourrais éventuellement en avoir un. Allez. Pourquoi ils sont obligés de faire une musique genre bonjour, on soigne vos Pokémon. C'est bizarre, c'est genre... Ils ont besoin de s'exposer, de dire ouais, bah regardez, bah nous on soigne les Pokémon. Nous on est des gens forts. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous faites ce que vous voulez, les messieurs. Vous faites ce que vous voulez. You do what you want. Et je le dis bien. Ah, d'accord, donc en fait, c'est vraiment se faire couiller que de passer par là. En fait, faut surtout pas passer par là, quoi. Faut faire ça, 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 ça. Ce passage-là, en fait, ça me rappelle le passage dans Pokémon Y, en fait. Quand, en fait, non, je sais plus dans quel jeu. En fait, ça me rappelle plein de jeux en même temps. Ça me rappelle et Pokémon Noir. Au début du jeu, après la pension, vous savez, il y a une route comme ça et on peut soit aller là, soit aller tout droit. Ça me rappelle aussi Pokémon Y où pareil, il y a une jonction comme ça. Enfin bref. Ouais, on s'en fout. Est-ce qu'on dit qu'on s'en fout? Ouais, bah oui, je crois. Ah, et bah voilà, on les a pas battus, eux. Marin, j'ai attrapé des Pokémon, ils m'accompagnent. Ah oui, d'accord. Donc lui, c'est pas un Pokémon. Monsieur! Pour une fois que je vais faire le combat contre vous. Oh là, on a encore du temps dans l'épisode. Nous ne sommes qu'à 26 minutes de vidéo, monsieur. Donc laissez-nous faire un combat. Mediena, voilà, voilà un Pokémon intéressant. Voilà, Rongelie qui va très bien pouvoir faire quelque chose contre lui. J'espère. Poliroche. Il va augmenter quoi? Je sais plus, son attaque. Sa vitesse. Très bien. Bon. Si revenant marche bien... Ça devrait l'avoir mis en TAO en un coup. Ouais, voilà, je préfère ça. Et ben voilà, on l'a battu presque couleur Jamil là. Ou Jamie. Ou... Hé, hey, Jamie! Oui, allez, vas-y. Bon, je veux bavarder avec tes Pokémon.
Le numéro est enregistré dans le Pokémon. Allez, à ton tour, jeune boulangère. On dirait pas trop une boulangère, la meuf? Regarde, elle a trop un skin de boulangère. Tu sens que c'est une boulangère, tu sais, en la regardant. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais on dirait un skin de boulangère. Vraiment. Kaiminus! Eh, intéressant comme Pokémon. Enfin, intéressant. C'est un starter, quoi. Mais je veux dire, il me semble pas qu'on a vu des crocodiles, mais on n'a pas vu de Kaiminus. J'en suis quasiment sûr. Ok, cool. Vous avez battu presse couleur Tania? Ah bah oui, ça se voit que c'est des presse couleurs. C'est tous des presse scolaires, tu sais, ils sont pas encore allés à l'école. Attends, tu m'étonnes, les boulangères. Oh, ça clash! Non, je rigole, les boulangers sont bien allés à l'école, hein. Pas la même! Non, je rigole. Je n'ai rien contre les boulangers, vous faites du bon pain. Sauf quand vous mettez des moustiques dedans. Une fois, quand j'étais allé chercher le pain pour mes parents, et ben, j'étais allé chercher le pain et tout. Et puis après, le soir, on avait mangé, ils en avaient coupé. Et là, je m'apprête à manger dans le pain, et je sais pas, une intuition, je regarde sous le pain. Et sous le pain, qu'est-ce que je vois? Un gros cousin. Tu sais, vous savez, les moustiques, mais les gros moustiques, donc les cousins. Et d'ailleurs, je crois que les cousins ne piquent pas. Mais bon, bref, c'est dégueulasse. Il était collé dans le derrière du pain. Donc moi, j'ai fait, ah non, non. Ma mère, elle a juste raclé, elle l'a bouffé. J'ai fait, pas le moustique, hein, elle a bouffé le bout de pain. Voilà, c'était la petite histoire de Nutiteuf. Sur ce, je pense qu'on va mettre fin à cet épisode, puisque le précédent a duré quasiment 50 minutes, il me semble. Celui-ci, on va modérer. Et donc, on va s'arrêter ici. En attendant, les gens, moi, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. En attendant, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.